Ensuite, j'ai terminé un déodorant de chez Dove, donc c'est les originales, hein, c'est les classiques, antitranspirant, zéro alcool, à la vitamine E, un quart de crème. Il sent super bon, il fait son job de déo. Voilà, le seul problème, c'est que ben, il est pas, il y a du sel d'aluminium dedans et voilà. Donc voilà, c'est un déodorant que j'ai en stock, j'en ai encore plein à finir. Donc voilà, c'est vrai, c'est un déodorant que je serais susceptible de racheter, mais pas pour l'instant. Mais il est super, super efficace et il sent très très bon. Ensuite, j'ai terminé une poudre de chez Nocibé, c'est la poudre compacte, poudre lumineuse compacte. Moi, je l'ai en teinte light brow. Voilà, c'est une poudre. C'est une poudre que j'ai beaucoup aimé utiliser. Je trouve qu'elle n'a pas une efficacité de ouf, mais voilà, c'est pas quelque chose que je rachèterai parce que j'ai beaucoup de poudre à finir et je voudrais écouler mon stock un peu parce que j'ai vraiment beaucoup de choses à terminer. Donc voilà. Mais sinon, c'est une poudre qui est plutôt sympa. Bon, elle n'a pas une efficacité de ouf comme j'ai dit. Et voilà. C'est une poudre, quoi. Voilà. Je veux dire, il n'y a pas grand-chose. Elle n'a pas une matité de ouf. Elle ne fait pas forcément tenir le maquillage. Ensuite, mes enfants ont terminé encore donc de la marque Manava de Leclerc. C'est un bain et douche à la Mirabelle de Lorraine. C'est quelque chose que je rachète parce que mes enfants adorent et j'adore l'odeur. Ça sent vraiment la Mirabelle, ça sent super bon. Et en plus, c'est flacon pompe, donc voilà. C'est quelque chose que je rachète. C'est hypoallergénique, c'est au pH neutre. Et c'est testé sur contrôle dermatologique et ophtalmologique. Donc voilà, c'est vraiment quelque chose que je rachète quotidiennement. Et ils adorent. Donc voilà. Ensuite, j'ai terminé une lime à ongles de chez Nocibé. Donc vous savez, c'est les limes à ongles à trois faces. C'est une lime à ongles que j'ai beaucoup aimée. Elle fait son job de lime à ongles. Donc là, vous avez pour polir, pour limer et pour lisser. C'est une lime à ongles que j'ai beaucoup appréciée. Mais voilà, elle a fait son temps et elle fait plus rien maintenant. Donc voilà. Mais c'est quelque chose que je rachèterai, ça c'est sûr. Ensuite, j'ai terminé un gel douche donc, que j'ai eu dans la Birchbox. Alors de quel mois je m'en rappelle plus. Donc c'est un gel douche pour le corps avec extrait d'orange sicilienne biologique et d'olive. C'est pas quelque chose que j'ai été emballé, l'odeur était plutôt sympa. Oui, l'odeur était plutôt sympa, mais c'est quelque chose qui se termine très vite vu qu'il n'y a que 60 millilitres. Voilà, mais sinon l'odeur était agréable. Mais voilà, c'est pas quelque chose dont j'ai été. C'est pas quelque chose dont j'ai été emballé et voilà, c'est pas quelque chose que je rachèterai donc voilà. Donc voilà tout le monde, cette vidéo, mes produits terminés, je rachète ou pas. Est terminée, j'espère qu'elle vous aura plu. Je vous fais d'énormes bisous, prenez soin de vous et je vous dis à plus tard pour une prochaine vidéo. Ciao!